Salut à tous les amis, c'est Cartman SP, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 PC où je vais vous faire, montrer, vous faire découvrir la Debauchee 70-7, donc la nouvelle voiture du DLC. Donc pour ce faire, on va la faire apparaître. Donc véhicule spawning, voilà, et on va taper 770. Et là, voilà, la petite 770. Donc, je vais vous la montrer. Donc, elle est plutôt pas mal, hein. Moi, je la trouve vraiment belle. Elle est vraiment pas mal, je trouve. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur, il est plutôt sobre. Très, très sobre. Donc. On peut voir que le compteur, il monte jusqu'à 200. Ouais, l'intérieur est vraiment très sobre, on va faire un petit tour avec, puis on va aller les custom comme d'habitude. Elle est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime vraiment bien cette voiture là. Donc à la base c'est une voiture qu'on peut avoir qu'en multijoueur, je crois. Bah si je dis pas de conneries, et moi je peux l'avoir en solo avec mon trainer, mon mode menu comme vous avez vu. Donc c'est plutôt cool, hein. Comme ça je peux tester les voitures du mode multijoueur sans aller en multi, quoi. C'est plutôt pas mal. Oh putain, je vais me le prendre lui. On va voir ce qu'elle a dans la panse, on va accélérer un petit peu. Elle est pas mal, sérieusement elle est pas mal. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce véhicule-là dans les commentaires, si vous l'avez déjà testé ou pas. Comme ça, j'aurai votre avis sur cette voiture, qui est plutôt bien, je trouve. Plutôt très très bien. Bon, on va aller à la custom. Pour aller la custom, justement. Donc c'est parti, on fait un petit demi-tour des familles. Comme un pro, sans rien toucher. Alors que d'habitude je fonce dans toutes les bagnoles qui sont là. Donc tout à l'heure vous avez vu pour la papa pour tout le monde, mais tout à l'heure, je sais pas si la plupart d'entre vous ont vu, mais j'ai fait un petit live sur YouTube avec mon nouveau téléphone. Donc le Galaxy S6 32Go Black Cosmos. J'ai fait un petit live tout à l'heure pour voir et tout, parce que dans les paramètres de mon appareil photo, je peux faire des lives YouTube. Donc c'est plutôt cool. Je peux faire des lives, en fait, c'est pas mal. C'est une petite application à part pour les lives YouTube. Et bah, dites-moi si vous voulez que je vous en fasse plus souvent. Et si vous voulez que je vous en fasse plus souvent, bah, ce serait avec plaisir que je vous en ferai. Je vous en ferai dehors ou chez moi ou quand je regarde la télé ou je sais pas, dites-moi ce que vous voulez voir. Et puis, ce sera avec plaisir que je vous le ferai. Donc blindage, on va mettre un blindage à 80%, c'est déjà pas mal. Frein, ouais, ça change. Pas grand chose, on va quand même le mettre. Moteur, niveau 3. Échappement, alors échappement. On va mettre des bois titane, j'aime bien. Éclairage, on va mettre des phares au xénon, faut pas oublier. Kit néon, on va mettre avant, arrière et côté. Voilà, on regardera la couleur après. Donc plaque, on s'en va les couilles. Peinture, plus tard. Bas de caisse custom, on va mettre celui-là en carbone, qui est plutôt pas mal. Aileron, il y en a 4, c'est pas mal. Non, c'est vraiment horrible, c'est vraiment trop haut. Bon, on va mettre celui-là, il est pas mal. Aileron en carbone, ouais, on va mettre celui-là, tiens. Suspension, ça descend bien la voiture ou pas? On va mettre de sport, il n'y a que ça qui nous intéresse. Transmission de course, turbo normal. Et les roues, on va laisser cela. Les fenêtres, on va mettre des fumées. Comme voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur maintenant? Donc, j'ai bien une couleur que je voudrais bien voir comment ça rend dessus. Donc, on va voir ce qu'il y a.
Ah putain, en orange, elle est super belle. On va voir orange vif, qu'est-ce que ça rend. Moi, j'aime pas trop. Donc, vous savez quoi, les amis? On va mettre du orange, tiens. Elle est pas mal comme ça, je trouve. Elle est pas mal, elle a un certain look qui fait qu'elle est pas mal, tout simplement. On va aller faire un petit tour avec maintenant. Donc, je vais vous montrer avant ce que j'ai fait dessus. Donc, elle est pas tunée à fond, au fond, mais je peux pas tout faire dessus non plus. Donc voici la 770 Debauchy que je viens de faire. Elle est pas mal, hein? Sérieusement, elle est pas mal. Elle a de la gueule. Elle a une belle gueule. On va faire un petit tour avec. On va voir ce qu'elle donne cette petite voiture. Vu qu'on est des bons voyants, on va s'arrêter au feu rouge parce qu'on n'est pas des enculés. Bon, en fait on va pas s'arrêter parce que ça me saoulait. Fils de pute. Excusez-moi pour les grossièretés, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas. Mais j'ai essayé de me calmer vis-à-vis de ça parce que bon. Moi je suis assez nerveux quand je joue et ça sort tout seul on va dire. Elle est pas mal hein, sérieusement. Un petit tour, allez. Putain. On va accélérer un peu. Oh putain, fais gaffe. Elle en a dans la panse cette petite. On va la monter. On va voir comment le compteur y va. Sans se prendre un bon petit crash des familles, ce serait pas très bien. Pour l'audimat, bien sûr. Éternel. Bon. On peut dire qu'elle monte plutôt pas mal. Et qu'elle est plutôt pas mal. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bagnole qui est super belle. Je la trouve vraiment très belle. Et puis voilà quoi. Bon, je vais faire un dernier petit tour et puis je vais vous quitter les amis. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 20 minutes comme vous le savez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo qui se termine sur un crash de cinglé vous aura fait plaisir. Et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, lâcher un like et pourquoi pas commenter. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.